m'appelle Timéo Kirsch, j'ai 14 ans, je tire avec une épée. Je m'appelle Elise, j'ai 13 ans et je vais commencer ma troisième année au club de l'Alto en Amérique. Bonjour, je m'appelle Marco et j'ai 15 ans. Bah, j'aime bien parce qu'on peut toucher sur tout le corps et je ne sais pas comment ferait, où il y a les priorités et tout ça, parce que je comprends pas. On peut toucher partout. Et donc quand on est petit, c'est pratique pour toucher aux genoux ou quoi. Et puis moi je trouve que c'est une chouette arme. Parce que je trouve que le fleuret c'est beaucoup plus classe et pas trop violent parce que on me dit d'habitude que je suis trop violente, mais du coup le fleuret je trouve ça plus classe et c'est plus doux. Alors les stages jeunes là donc, sont organisés deux fois par an par la fédération, une fois en hiver, une fois en été. L'objectif c'est de réunir nos tireurs de différents clubs. Afin ici de les faire progresser bien évidemment dans l'escrime mais aussi qu'ils reprennent tout doucement la saison, une préparation à leur saison prochaine après une période de vacances qui a été quand même relativement longue et également aussi qu'ils se rencontrent entre tireurs de clubs différents, qu'ils s'amusent, qu'ils créent des liens. Nous vraiment notre souhait c'est de créer une communauté de jeunes escrimeurs en Wallonie, en communauté française pour que vraiment il y ait un esprit de l'escrime qui se développe au sein de nos licenciés. Déjà parce qu'il y avait beaucoup de gens de notre club qui allaient et pour rencontrer des nouvelles personnes, apprendre des nouvelles choses, et voilà. Je voulais refaire parce que vraiment j'aimais bien et puis j'ai toutes mes amies et puis ça fait du bien aussi de voir d'autres personnes pour tirer contre d'autres gens et apprendre un peu les techniques des autres. Donc, il y avait une super bonne entente avec tous les streamers. On avait des super trucs, hier par exemple on avait des loups-garous pendant toute la soirée, enfin, c'est vraiment super bon. On fait quand même des activités un peu plus ludiques où ils peuvent un petit peu plus se dépenser et créer des liens. On a également eu une activité de plein air organisée par les moniteurs du Centre Adeps, une initiation au sabre laser, parce qu'ils peuvent aussi s'initier à une autre arme, parce que c'est vrai que tous les clubs ne font pas les trois armes, donc des fois ils sont toujours curieux de comment ça se passe une autre arme. Et donc là, on en profite pour pouvoir les initier à une autre arme, à pouvoir pratiquer. Donc on est dans un objectif de progression, mais on veut que ça reste ludique, on veut qu'ils s'amusent, on veut qu'ils en profitent. J'ai appris à reprendre un peu confiance en moi. Et surtout, j'ai réussi à battre des gens que je ne savais pas battre avant. Et donc, ça m'a fort aidé. Et donc, je suis prête pour la rentrée. Faut que je réfléchisse parce qu'il y en a beaucoup. Mais c'est souvent moi qui fais des conneries, donc c'est pas...